Capturer, je déplace pour voir le chat. Voilà, on se retrouve donc sur le jeu Thunder Ray, qui est sorti très récemment, hein, 14 septembre 2023, fait par Purple Tree. C'est un jeu d'action plutôt box, enfin typé Punch-Out, et c'est sorti sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Series. Voilà. Donc, je connais pas trop les studios, je vois 2023 Argentine, donc c'est peut-être des Argentins, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'avais vu des vidéos là-dessus, puis ça ressemblait beaucoup à du Punch-Out. Et forcément, ça me plaît, même si c'est un jeu de l'enfer. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors, on n'a pas grand-chose hein, au menu. Alors déjà, le menu, il rame, ça c'est assez curieux. Mais le jeu, après, ça va. J'avais peur au début que ça rame beaucoup, puis en fait, non. C'est juste le menu qui fait un peu un effet ramage. Saga des champions, donc j'avais fait le premier pour faire le test, tout ça. Et je peux pas faire de nouvelles parties. Par contre, je peux revenir au début. Donc en fait, voilà, j'avais affronté celui-ci qui était le tuto, en gros. Et puis après, là, je commençais à battre un gros. Bon, j'ai pas cherché à l'affronter, mais on va avoir cela. Et donc avec le tuto, bah, ça vous apprend également un peu l'histoire, mais bon. On va voir cela. Donc on a trois choix de difficulté, novice, easy ou bête. Bon, easy, pour moi, c'est normal. Hein. De toute façon, je vais pas prendre bête, hein. Je suis pas... Mais alors, Punch-Out, c'est du tryhard, hein, pour moi. Donc on va se mettre en... Bah, au moins en normal. Et on verra bien, quoi, ce que ça donne. In the world of boxing, one fighter stands above all the rest. Thunder Ray, a name that strikes fear. And boasts an undefeated streak, leaving a trail of defeated opponents in his wake. His talent and determination captivated all, instantly making him a sensation. Winning lost its charm as he longed for a worthy rival to test him. His rumored retirement caught Rico's attention, presenting a final chance to challenge Thunder and break his undefeated streak. Voilà, donc on joue un champion qui apparemment terrasse tous ses adversaires. Javi, Rico. Là, on va s'en affronter contre un, mais ça va servir de tuto. Hey Thunder, let's beat this amateur challenger. Remember, fight as I taught you. Press down punch buttons to throw a low attack. Alors, c'est bouton de gauche. Au début, on nous explique, voilà, là je peux... Donc X, c'est côté gauche, A, côté droit. Salut, je te vois. Et Y, donc c'est pour Y ou B, donc gauche ou droite, c'est pour frapper au visage. Alors il y a du sang, hein, un petit peu. Wants to hit you. Let's try some defense. Move left or right to dodge his punches. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment du punch out. Hein. Avec ton personnage, j'aime bien la coupe du personnage où t'as l'éclair au niveau des cheveux là. Il a fait un trou là pour faire vraiment la forme de l'éclair. J'ai trouvé ça sympa là, comme idée. Donc après ça va être des réflexes, hein. Genre ça je vais me le prendre dans la gueule, hein. Faut savoir qu'il faut se baisser vers le bas, enfin reculer quoi. Puis la défense, si on se met vers le haut, alors j'aime bien avec le dos là, qui ça fait un peu carapace quoi. Alors ça j'ai pas trop compris, alors je le laisse appuyer, et en fait je peux foutre un coup, voilà, je peux foutre des gros coups. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça utilise rien. Par contre, il met un petit temps pour charger, quoi. Donc l'autre, il peut peut-être me contrer ou je ne sais quoi. Et donc, ouais, voilà. On a une jauge super qui se remplit en haut à gauche, je crois. Et il faut appuyer sur les deux boutons pour faire ceci. Alors là, quand il est à terre, faut spammer A et ça nous remonte de la vie. Par contre, c'est toujours la même pose, c'est un peu chiant. Allez, on va le défoncer là. Alors c'est pas exactement comme Punch-Out où faut taper au bon moment, enfin attendre son attaque pour esquiver et ensuite enchaîner. Alors ça c'était vers le bas, hein. Je sais pas trop. Enfin peut-être, Marc. J'ai pas l'impression qu'il soit à moitié stun en fait.
Putain, là, j'ai bien défoncé, donc là je vais remonter ma santé en spammant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de round en fait, parce que vous regardez le temps en haut, bah il monte. À moins qu'il y a 3 et ça s'arrête, je crois que c'est 3 minutes en vrai. Merde, j'ai fait en arrière. Putain, je sais pas ce que c'était ce coup, putain, je vais tomber. Oh putain, il crache du sang. Ouais, c'est ça, c'est très précis. Alors là, ouais. Le son sature, là. Très bizarre, quoi. Et voilà, j'ai fait que ça. The fight ends within minutes, showcasing Ray's unmatched skills, leaving the audience in awe. For Ray, this might mark the culmination of an extraordinary journey. Suddenly, a peculiar alien creature points a gun at Ray and blasts him. He was surrounded by a mesmerizing fusion of abstract cosmic landscapes. Within a few seconds, he found himself standing in a completely different environment. In the center of the arena, a massive creature locks eyes with Ray and rushes at him immediately. Donc c'est bien le scénario que j'avais lu. En fait, on se fait capturer par des aliens et donc on participe à un tournoi, je sais pas, intergalactique, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et bah forcément, on va se taper des monstres un peu plus costauds. Hein. Regardez, 500 kilos il fait, là, celui-là. C'est pas un humain qui ferait ça, quoi. Et donc là, ça risque de moins rigoler et je vais peut-être galérer. Faut peut-être apprendre des patterns. Normalement, dans les Punch-Out, faut apprendre des patterns. Donc là, le premier, bah, j'arrive à esquiver ses coups. Mais il n'y a pas moyen de les stun comme dans un Punch-Out. Alors peut-être que ça va arriver après. Je sais pas trop, quoi. On verra bien, quoi. Over the top. Putain. Ah, le bon film. One Punch Man. Moi j'aime bien graphiquement, enfin j'ai l'animation, je la trouve sympa. Quoi. Tournoi galactique. Watch out. This challenger is a colossal cyborg, so be careful. The only way out is to keep winning. Bon bah là, on va voir. Hein. Ah, ça aime pas le bas apparemment. Putain, alors attends. Peut-être apprendre un peu ses coups. Putain, c'est quoi? C'est en arrière ça? Putain, attends, j'ai pas le temps là. Je vais faire haut hein, la prochaine fois. T'en fais voir quand tu te bats. Oh putain, d'accord. Bon, bah, je suis à terre. Ah, mais c'est à l'opposé. Putain, je comprends pas. Oh! Oh putain, je sais pas ce que j'ai fait là. Vite, j'ai rien récupéré. Ah, c'est peut-être un coup sur dans le bide. C'est pour ça tout à l'heure je l'ai contré parce que j'ai pas bougé. On se protège le bide quand on bouge pas. Enfin, dans un punch out, c'est comme ça normalement. Oh, il m'a fait un double. Allez. Putain, je tire la gueule. Hein. Et là, j'ai Shredder et Bane, c'est vrai. Oula, il grossit là, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah vache, mais il est énorme! Putain, faut attendre. Putain, mais à quel moment t'envoies quoi? Putain, mais ça zoome à mort là, je vois rien. Moi, je suis mort. Ok, bon, vous voyez que ça risque d'être compliqué quoi. Mais bon, c'est normal, faut apprendre à jouer à un bloc. Canard! Arrière, c'est canard! Ils appellent ça comme ça!
Attends, je vais essayer un truc. Merde. Putain, je comprends pas ce coup là. Non, pas de sens. Ça faut le placer mieux que ça en fait. Ça faut vraiment le placer comme il faut quoi. Ok. Non. Non, putain, je vais dans le mauvais sens. Putain, ça zoome trop là. Ah, je vois rien quand c'est zoomé comme ça. Non mais c'est abusé là son double coup. Voilà, ce qui est bien c'est que t'as vachement le temps. En fait, quand tu vas en arrière, tu peux rester longtemps accroupi. Enfin, en arrière. Alors que dans un punch-out, normalement, c'est... bah, t'as juste une seconde, je crois, d'esquive. Là par contre, apparemment, faut se mettre sur le côté, là, pourquoi il fait ça. Ouais, là je reste pas mal, quoi. Attends, j'ai... Par contre, c'est excellent le bruit hein, quand on fait un gros coup. Tu sens bien l'impact, quoi. Non, je suis gros de chance. Ouais, mais je vois rien, putain. Par contre, c'est chiant quand c'est zoomé à mort. Il se relève pas. Si. Comment t'évites ça? Allez! Bon voilà, on n'en parle plus de lui. Ah, je savais pas que c'était aussi violent par contre. Bon bah nickel. Merci. Ah, c'est ultra... Ah, c'est un peu violent, ouais. Nouveau pouvoir, on gagne des pouvoirs, ça par contre je savais pas. Thunder Uppercut. Mais. On déclenche ça comment? Attends, mais on. Il y a des points de compétence et tout. Putain, c'est qui lui? Cobra. Ah, lui il va être speed quoi. Réduit en sharpie. Non, mais c'est clair que. C'est le coup point de Ken quoi. Millennial Cobra. C'est assez rigolo aussi les petites présentations. Alors. Oh quoi, il me fait un kick là. Illégal ça. Peut-être se baisser pour lui, non? Ah ok. En bas à gauche, j'ai deux jauges maintenant. Peut-être ça que j'ai gagné. Non mais attends, le mec il se bat tout le temps. Tiens, tu veux te calmer là. Ah, ça va pas tuer? Enfin, tuer. Je suis pas censé tuer, en vrai. Attends, mais... Tout à l'heure, j'avais évité de l'autre côté, c'était pareil. J'ai l'impression qu'il faut se baisser avec lui, hein. Je vois pas trop... Je vais essayer. Non, bah là non. Faut que j'apprenne ses coups. Ouais, faut que j'apprenne ses coups, surtout comment les esquiver là. Parce que là, je me suis tout pris. Là. Putain, ça risque d'être plus dur là. Pas à gauche. Ah ok, là c'est bon. Ah
Et là, c'est à l'opposé quand c'est avec sa main. Putain, c'est chaud. Ouais. Ça, je sais pas trop, hein, son coup pied marteau là. C'est un coup de boule. Oh le con. Ah d'accord, il m'a foutu à terre. J'ai pas l'impression que ça fait beaucoup de dégâts ça. Ouais mais là je sais pas ce qu'il va me faire là. Pourquoi il brille? Putain la vache. Il est super vénère là. C'est un Némésis là, regarde. Il a la mâchoire et tout. C'est un Némésis derrière ça quoi. Putain, je suis bourré. Quoi? Bah c'était, c'est pas à droite alors. Enfin, je sais pas comment j'ai esquivé ça. Non mais genre je joue mieux quand c'est zoomé quoi, ça n'a aucun sens. Allez. Non, je suis couré. Normalement il se le prenait hein, il était... Merde. Il était pas proté... Oula, il a fait l'autre côté. Il était pas protégé là au bide. Hein. Non. En fait, il y a un délai, j'ai l'impression qu'il fait son coup pied marteau là. Faut attendre un peu quoi. C'est passé. Non. Oh, je vois rien. Putain, je peux me relever encore. Oh putain, mais j'ai de la chance. Hein. Oh. Putain, mais... C'est toujours l'explosion, quoi. Bon putain c'est un peu laborieux ma façon de me battre mais bon ça passe. Oh, c'est énorme. Donc prochain, enfin prochaine, apparemment, witch, d'accord, une petite sorcière, 77 kg. Par contre elle a l'air de voler. Merci bien. Glimmer. C'est marrant, les records c'est toujours 20-0-0. En fait, ils perdent jamais quoi. Ah. She is willing to employ all sorts of magical spells to defeat you. Ça va être le bordel. Hein. Continue breaking through her spell shield and emerge victorious. Elle est protégée en plus, bah ouais. Bon, enfin, en même temps, si elle se prend un pain de ma part, je pense que elle déguste. Hein. Ah oui, ça se fracasse. Ouais, maline là. Allez hop. What? Non.
Je sais pas ce que c'était ce coup. C'est venu du ciel. Direct quoi. Non, ça. Oh, je l'ai fait pourtant. Ouais, ok, ça c'est. Ça va être chaud. Je vois rien. Ah, ouais, mais là c'est pas possible en fait. Ça, je me relève pas. Ouf. Là, j'y croyais pas. Oh putain. Toi. Hop. Par contre, faut faire tomber plein de fois. Merde. C'est bon, elle scanne. Ça passe. Ah. Ah, je l'ai pas vu le coup. Bon, elle a l'air vraiment plus faisable que les autres. Hein. Je vois le. On voit des tirs au moins d'où ça vient. Ça a l'air faisable. Hein. L'air similaire à Punch-Out en effet. C'est pas de la boxe qu'elle nous fait. Bah, le jeu est sympa. Hein. C'est dur, hein, évidemment. Parce qu'il faut apprendre les adversaires. Et pour l'instant, je suis passé de justesse sur pas mal. Sinon, au niveau de l'histoire, bah, en fait, on est un super champion sur notre terre. On allume tout le monde. Et en fait, on a été capturé par des extraterrestres pour. C'est quoi? Ah oui. Pour participer à un tournoi galactique. Et là, donc, on affronte des. Bah, forcément, des choses bizarres, quoi. C'est toujours à gauche, je crois. Elle commence à gauche, quoi. On n'a pas eu cette animation. Ah putain, là c'est à droite. Ah oui, en bas. Oh, à peine sorti. Ah, c'est dur en blindfold parce que c'est quand même. Bah, c'est random, hein, genre là les tirs là comme ça. Au niveau du son, tu sais pas si c'est à gauche ou à droite quoi. Après, pour certains sons, oui, comme là, on. On savait que c'était en bas. Oh non, je l'ai mal fait. À moins qu'il y ait un son différent quand c'est. Non, c'est le même. Putain, t'es chiante. Et tu vas voir, c'est au couteau Noken. Hein. Putain, elle en fait deux, c'est vrai. Ah, mais là, je vois rien. Là. Ouais. Quand c'est zoomé, je vois rien. Allez hop, à terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que. Est-ce qu'on va l'exploser elle? Oh non, c'est quoi? Confused. Quoi? Oh non, c'est inversé! Ah, c'est plus. Non, c'est bon. Ça s'est enlevé. C'était inversé les commandes. Oh la vache. Ouais, mais là je vois rien, putain. Putain, elle est horrible là, sa troisième phase là. Non, quel con. Quoi? Nouveau ça? Non mais tu fais quoi là? Ah faut... D'accord, faut tanker quoi. Oh c'est passé!
Allez hop! Au couteau Noken. Ah, on ne l'a pas explosé cette fois. J'ai encore passé un poil de cul, hein. Putain, mais ce son saturé, par contre, c'est un peu dommage, quoi. Et puis, je sais pas, c'est marqué vous avez, il n'y a même pas la place, quoi. Thunderstorm. Ah, j'ai débloqué toutes les attaques spéciales. Par contre, j'ai lu que le jeu était court. Hein. Je sais pas combien il y a de combattants. Je sais que le jeu est court, mais bon. Je pense pas être à la fin non plus, quoi. Et puis, bon, je vais pas jouer non plus jusqu'à la fin. Je pense pas, de toute façon, ça va être trop... Trop compliqué, quoi. Ils ont pas osé la massacrer, ouais. T'as les pouvoirs. Bah, en fait, j'avais gagné une chose de plus. Mais là, ce que j'ai chopé là, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est. Charge, coup. Ouais, non, j'ai pas de... C'est quoi ce vampire? Il a un couteau, hein, ouais. Déjà. Le truc, hein. On dirait un perso de Cuphead là où. C'est que ça. Hein. Bon, va falloir que je l'apprenne lui. Alors il fait quoi? Si je bloque des trucs comme ça? Non, ça bloque pas du tout ça. Ça c'est en bas, ok. Putain, j'ai dit en bas. Il va être plus compliqué lui. Hein. J'aurais réussi à le foutre à terre. Ouah! C'est quoi ça? Ah putain, il m'a empoisonné, je prends des coups. Ah ouais, bah avec le poison, ouais. Putain, mais il n'y a aucune règle hein, dans ce tournoi, quoi. Non, c'est en bas. Putain, m'a enchaîné deux coups, là. Ça me fait peur, quand même. Il se l'est pris, celui-là. Putain, mais c'est quoi? C'est un coup, faut esquiver à droite là pour celui-là? Non. Là, le truc c'est que j'attaque un peu au pif, hein. Je sais pas. Il faut attaquer au corps ou à la tête ou à gauche, à droite. Oh. One, two, three. Oh, ça passe. Putain, abusé. Il se relève à peine. Par contre, je sais pas ce que c'est mon attaque, hein. Le coup spécial là. Bon, c'est pas vers la gauche en tout cas. Il m'a refait un nouveau coup là. Ah, c'est mort. Ah, il y en a 8 en tout. Ouais, bah, je suis loin. Parce que là, faut maîtriser quoi. En 20 minutes, je connais par cœur. Ça, ouais, c'est vrai que c'est court. Non, c'est en bas. Thank you.
peut-être le tanker celui-là. Non. J'ai voulu faire bas, j'ai fait droite. Ouais, c'est hyper bien animé, je trouve. T'as un couteau de cuisine. Le v'là. Non. Putain, t'as pas le temps en fait. Si tu te gourres dans une direction, c'est foutu quoi. C'est pas en bas. Je pense qu'il faut faire haut quoi. J'aimerais bien tester. Oh, putain, mais t'as pas le temps quoi. Tu commences à attaquer. C'est ni haut, mais c'est quoi alors, putain? Je comprends pas comment on fait. Putain, sinon je les lâche pas, hein, mode Rocky quoi. Putain, j'ai esquivé ça. Oh putain, je lui fais mal là. C'était incompréhensible. Ouais, je suis en niveau moyen. En difficulté. Enfin oui, c'est marqué easy. En fait, t'as novice, easy et... je sais plus ce que c'est le dernier. Enfin, hard quoi. Mais le easy, ça correspond... c'est le milieu quoi. Ouais. Mais son deuxième coup il est abusé quoi. Quoi, putain, c'est abusé. Par contre j'ai fait un nouveau coup spécial, j'ai l'impression. Oh la vache, putain, mais il me fait mal. Counter. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont marqués, c'était marqué counter. Je vais essayer d'aller en avant. Je prends pas, d'accord, c'est ça. Faut tanker. Mode carapace quoi, tortue. Ça par contre je sais pas. C'est marqué counter à un moment donné, c'est-à-dire qu'il va me... Il va me le faire, c'est lui qui me fait le contre. C'était pas marqué là. Pouah, c'est chaud hein. C'est super difficile quoi. Il y a des trucs que j'ai pas pigé encore là. Putain, je préférais ma sorcière d'avant là. C'était plus lisible. Hein. Ah, je l'ai enchaîné là. Oh. Putain, ce coup là il est horrible. Je sais pas comment le contre. Non, j'ai fait bas. Oh putain. Oh là là, putain. Il me défonce. J'ai pas le temps de réagir, c'est pire que Dragon Slayer en niveau réaction quoi. Oh. Je sais pas comment on l'esquive ce deuxième coup quoi, il est horrible. C'est quoi ça déjà? Oh, putain.
Ouais, c'est chaud, hein. Faut des réflexes, mais surhumaine. Enfin, surhumain plutôt. Putain, je crois que c'est la première fois que je le fais tomber deux fois, non? Enfin, je crois. Je vais être super vénère là. Putain, je me suis bien remis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Putain, c'est le tryhard total, hein, quand même. Bon, alors, heureusement, d'un côté, hein, s'il y a que 8 combattants, faut bien que ça te tienne. Un moment, quoi. Putain, mais par contre, les textes qui sont à l'écran, c'est pas possible, ça. J'ai voulu faire bas. Oh là là. Ouais. Son deuxième coup qui est imparable. Ouais. Celui-là, je comprends pas. J'ai fait gauche, droite, avant, arrière. Je sais pas ce que je peux faire de plus. À moins qu'il faut le contrer au moment qu'il fait, il fait ça, je sais pas. Bon, je vais me donner deux essais contre lui, puis bon, ça ira, je me suis gouré. C'était juste pour montrer le jeu, quoi, le découvrir. Et je tryerai de mon côté, quoi. Putain, mais je fais tout à l'envers, quoi. J'ai tout fait à l'envers, là. Non, mais putain, j'ai tout fait à l'envers, hein, mais vraiment, quoi. Waouh, ouais, ouais, bon. Allez, dernier essai. Mais là, c'est bon. C'est déjà pas mal d'être arrivé au cinquième, je pense. Coup gratuit. Non. Putain, et puis le deuxième coup à chaque fois. Je suis pas tombé. Mais on s'abusait. Je crois que ça le contrait quand. Et merde. Je vois rien. Ouais, vas-y. Tant pis. Putain, mais quand c'est zoomé. Vraiment, c'est pas facile là. Ouais, ça sera pas pour ce soir, lui, hein. Enfin, je pense pas que je l'aurai, quoi. Alors, attends, son truc de fou, là. Quoi? Mais c'est inévitable, en fait. Bon, bah, tant pis, hein. Inévitable son dernier coup là.
Bon, bah c'est sympa, mais waouh, faut s'entraîner, hein. Et surtout, faut comprendre. Bah, y a des coups, en fait, je sais pas comment on les évite, quoi. Là, j'ai tout essayé, là, son deuxième petit coup, là, que j'arrivais pas à parer, là. Mais bon, au moins, y a du challenge. C'est juste que, waouh. Je sais pas comment je suis arrivé jusqu'à lui, quoi, déjà. Après, bon, hein, je peux toujours faire en novice pour voir après et puis apprendre, j'en sais rien. Et en bête, ça doit être horrible, hein. Non, mais j'essaierai de le finir en normal. En général, j'insisterai, puis je l'aurai, quoi. Mais bien sympa, en tout cas, très beau boulot au niveau de la DA, des animations. Ça, c'est assez fou, je trouve. Je sais pas si c'est le premier jeu du studio, puisque j'en ai jamais entendu parler. Mais j'aime bien. Pour ceux qui aiment bien Punch-Out, je pense que c'est un bon jeu à se faire. Et après, à voir, quoi. Mais bon, comme ça a été dit, c'est un jeu qui est assez court, il n'y a que 8 combattants. Donc c'est sûr que ça fait light, quoi. Après, le jeu, il n'est pas non plus ultra cher. Allez, on passe sur la pause.